surprise, nous attendions depuis si longtemps. Bonjour mes amis, je vous verrai demain. Oui, bienvenue monsieur le dernier, depuis longtemps. Un nombre. Je vais vous préparer une chambre et à souper. Et mon fils pourra aller jusqu'au château, avertir de votre arrivée. Avertir ne serait peut-être pas superflu. Non, ni chambre ni souper, j'ai hâte de me retrouver chez moi. Mais chez lui, façon de parler. Depuis que les rôles ont changé, c'est peut-être lui qui va dire la messe. Oh, quelle joie de vous revoir, monsieur de la Pivardière. Sain et sauf, monsieur de la Pivardière. Vous allez regagner votre domaine pour ne plus le quitter, j'espère. La paix est signée. La paix est signée, certes, mais la frontière doit être défendue. Mon régiment a pris ses quartiers à Metz, où je retourne sous 8 jours. Alors, s'il en est ainsi, la comédie va continuer de plus belle. J'en arrive à plus savoir ce que je fais. Prenez votre calme. Nous sommes dans la période de ces retours habituels, mais vous êtes toujours prévenu par un courrier. Je ne sais pas. J'éprouve comme une sorte d'appréhension. Durant cette campagne, Dieu a rappelé à lui tant de vaillants gentilshommes. Il lui s'en tire sans une égratignure. Je préférerais ne pas être là quand vous aurez à l'accueillir. Oh, quelle abomination! Souhaiter la mort de notre pauvre maître. Sûr qu'ils retireront tous les deux en enfer avec tous ces péchés sur la conscience. Vouloir du mal à un aussi brave seigneur. Pauvre monsieur de la Pivardière. Ah, vous voilà enfin, notre maître. Ah, on désespérait de vous voir. Bonjour, mes braves. Toujours en santé? Oui, on vous remercie. Ah. Et votre monture? Elle va bien aussi? Oui. Ah, l'Alsace, c'est pas le bourg à côté, hein? Oui, mais les vaillantes. Alors, les orges, les froments. Oh, médiocre, notre maître, médiocre. Vous avez quand même pu payer le métayage. Quoi encore? Mais les sous sont là. Seulement, il n'y en a pas beaucoup. Comment ça? Ah, ben, on a fourni tellement au château. Des volailles, encore des volailles. Et puis le goré de Noël. Oui. Je vous verrai demain. Voilà une mauvaise chose. S'il croit remporter autant d'écus que les autres années, il va être bien déçu, le beau monsieur. Oui, oui, oui. Oh, messieurs notre maître, vous voilà de retour pour nous. Vous ne l'ordonnez pas, grosse bête. Oui, madame. On a fait la manger, notre maître. Le souper sera bientôt servi. Bien. Allez. Voilà qui devrait nous délivrer de nos humeurs moroses. Et nous raffermir le cœur. Le vin de Madère, apparaît-il, cette vertu. En plus, ce couvert, saute. Pour moi, madame. Si toutefois, monsieur le prieur ne me trouve pas fâcheux. Vos plaisanteries sont peut-être appréciées au bivouac. Pour ma part, je ne les trouve pas de mon goût. Monsieur le prieur, vous êtes mon invité. Excellent. Je ne vous connaissais pas ce vin en cave. Le tonnelet touche à sa fin. Ah, j'arrive à temps. Où est mon fusil? Ma poire à poudre. Mon sac à balles. Je les ai donnés. Prêtés. À l'abbé, qui nous tire quelques lièvres et qui raffole de la chasse. C'est une arme d'une magnifique précision. Je vous la rapporterai demain. Ne prenez pas cette peine. Je la ferai prendre par une servante. Pardonnez-moi de ne pouvoir partager votre souper. J'ai encore quelques pénitents à entendre à l'abbaye. Je vous salue, monsieur. Monsieur l'abbé, je vous demanderai de me recevoir demain à confesse. J'ai eu tout à l'heure une mauvaise pensée. Il fait meilleur être abbé que militaire. Hein? La chair est plus grasse. Lâche la blanche. Toi au moins, tu vas être mangé par un honnête homme. Ah, c'est qu'il aime bien la poule au pot, notre maître. Monsieur vient de faire dégarper le prieur. T'aurais dû voir la tête que faisait la drôlesse. Ses yeux étaient comme des pistolets.
Ah, mais j'ai peur que tout ça finisse mal. L'étang n'avait pas été pêché depuis 3 ans. Il grouillait de carpes. Cela aurait dû faire une assez jolie somme. Les carpes ont été consacrées aux maigres de l'abbaye. Oh oui, ça. Notre ordre est très pauvre, madame, oui. Sommes-nous assez riches pour nous offrir de telles largesses? L'étang m'appartient en propre. Je ne vous laisserai pas déshonorer ma maison. Ce qu'elle a d'illustre, une lignée de gueux. Vous n'aurez pas un liard de cet argent. Je ne vous laisserai pas me dépouiller. Il faudra en passer par ma volonté, monsieur. Prenez garde. Et en plus, vous osez me menacer? Allez, servez, idiote. Monsieur de la Pivardière a dîné. Il prendra la chambre bleue du second. A besoin de quelque chose. La soupente est au fond du couloir. Merci, petite. Je serai très bien ici. Mal dormi? Je vais pas fermer l'œil. Ah oui, c'est peut-être temps de porter un bol de bouillon à notre maître, non? Ouais, surtout qu'il a soupé de rien hier. Ouais. L'escalier. Qu'on change les draps. Son cheval, son épée, ses pistolets sont encore à l'écurie. Arrêtez de brailler comme une ânesse, idiote. Monsieur de la Pivardière sera tout bonnement sorti pour chasser. Pour moi, on l'aura tué, sans qu'il puisse se défendre. Et puis j'ai bien entendu qu'il criait cette nuit. Faites ce que je vous ai dit. Et vite. C'est impossible, c'est impossible. Un malheur pareil. Ed, ça va en faire une affaire. Des abominations pareilles, d'abord, on peut pas y croire. J'ai cru que je faisais un cauchemar. J'entends encore ces cris à notre pauvre maître. Oh! Comme je vous vois. C'était horrible. Horrible. Sergent Lafleur. Sergent Lafleur, monsieur de la Pivardière a disparu. Assassiné, selon la rumeur publique. On me rapporte la chose de toutes parts. Mais il faut faire quelque chose. Aller au château. Une dame de la noblesse et un prieur de couvent.
Faudrait que j'aie des ordres, comme on dit, supérieurs. Je vais aviser. Vu l'émotion populaire, j'ai cru bon d'avertir monsieur le lieutenant criminel, la voix hiérarchique. Vous avez fort bien fait. Il semble bien, monsieur le procureur, que la servante Marguerite Mercier soit la dernière à avoir vu monsieur de la Pivardière vivant. Et mort. Qui, selon vous, l'aura vu le dernier ? La dame et le prieur, sans doute. Et plutôt lui qu'elle. Transporter le corps de ce pauvre seigneur, ça a dû demander de la force. Allons, j'ai hâte de revoir ce bel abbé Charose. J'étais certain qu'il finirait de cette façon. Je fais préparer un cachot. Vous pouvez aussi prévoir une potence. Aussitôt ? Je n'ai jamais rencontré d'accusé qui me paraisse aussi susceptible que l'abbé Charose de faire un coupable. Qui vous a ordonné de laver ce sang ? Notre dame ? Même qu'elle m'a fait recommencer deux fois. Et jeter de la cendre en plus. Les draps et la paillasse, c'est elle-même qui les a lavés. La dispute entre madame et monsieur de la Pivardière vous a paru plus violente que celle que vous aviez déjà surprise ? Moi, je vous crois. C'était elle qui le menaçait. Marquez, ça m'a pas étonné, l'assassinat. Avant le souper, ils avaient parlé que de ça avec l'abbé. Que de ça ? Oui. Lui disait qu'il chargerait de tout et... Elle disait qu'il fallait avoir le courage de le faire. C'est les cris de ce pauvre monsieur qui m'ont réveillée. Il demandait qu'on lui laisse la vie. Et puis, il a hurlé deux fois et puis... Plus rien. Très bien. J'ai juste entendu les cris dans la nuit. Mais j'ai vu le sang. Un plein seau, monsieur le procureur. On aurait cru, sur votre respect, qu'on venait de tuer le cochon. Parfait. Quand monsieur de la Pivardière a appelé à l'aide... Vous n'êtes pas sortie de votre chambre pour le secourir ? Oh non, j'avais bien trop peur. J'ai juste entrebâillé ma porte. Notre dame se trouvait sous le palier du dessous. Est-ce qu'elle tenait une arme ? Oui, une grande épée, toute rouge de sang. J'étais glacée de terreur. Je me suis enfermée dans ma chambre. Vous êtes certaine que c'était l'abbé Charose ? Oh, ça, je peux le jurer. Je connais sa dégaine, sa façon de marcher. Sûr qu'il allait vers Miseray, vers l'abbaye. Le débat que j'ai eu ce soir-là avec monsieur de la Pivardière, et dont on vous rapporte faussement les termes, était d'un caractère strictement privé. Aussi, je vous prie de ne plus l'évoquer. Tous les témoignages vous accablent, madame. Et tendent à prouver que votre époux a été assassiné sous votre toit. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule. Et j'ai honte pour vous, monsieur. De vous voir fonder de si déshonorants soupçons sur des ragots domestiques. Je me plaindrai, soyez-en certain. Une dernière fois, madame, je vous somme de me dire où est le corps de monsieur de la Pivardière. Vous êtes un grossier, un impertinent et un sot. Sortez de ma demeure et ne vous y représentez jamais. Comme il vous plaira, madame. Au nom du roi, je vous convoque demain matin dans mon cabinet pour vous entendre. S'il y a lieu, pour vous confronter avec votre complice. Eh bien, je vous retrouve, mon petit abbé. Et je crois que nous allons rire. À qui appartient ce fusil ? À monsieur de la Pivardière. Ah, je vois. On entre en possession avant que la succession ne soit ouverte. Succession ? Allons, l'abbé, les choses sont claires. Ne commencez pas à finasser. Saisissez cette pièce à conviction, Bonnet. Et assurez-vous de l'abbé Charose. Il est sous la main de la justice. Vous commettez une erreur monstrueuse. C'est un abus de pouvoir, un déni de justice. En matière judiciaire, l'abbé, les seules erreurs que je connaisse, ce sont les acquittements. Afin qu'elle ne soit pas influencée, emmenez aussi les servantes qu'on mettra au secret. Dans un procès, les témoins sont aussi précieux que les coupables.
parfois plus. L'abbé Charouse a jadis gagné contre ce Morin un procès qui a amputé d'un tiers le bien du procureur. Il s'en venge aujourd'hui et donne à des ragots de domestiques hallucinés valeur de preuve. Car vous le pensez, cousine, je suis innocente. Innocente, j'en suis certaine. Mais aussi une bien grande sotte. Vous amourachez de ce petit religieux, a-t-on idée? On m'a câblé, cousine. Notre aïeule commune? Oui, mais pour elle, il s'agissait d'un évêque. De toute façon, chère cousine, vous êtes chez moi hors de la juridiction de ce rustre. Et nous allons bien rire. Eh bien, l'abbé. Est-on résigné aujourd'hui à avouer? Étant religieux, je demande à comparaître devant un tribunal ecclésiastique. Je vous avais prié d'avertir Monseigneur l'évêque. Je quitte à l'instant, Monseigneur, qui m'a fait l'honneur de me retenir à sa table. On y mange divinement. Et quelle cave! Révolté par l'abomination de votre crime, Monseigneur ne peut que prier pour vous. Il vous abandonne au bras séculier, c'est-à-dire à moi. Vous voulez dire votre vengeance? Si vous croyez échapper au châtiment de votre crime, perdez tout espoir, l'abbé. Vous osez dire mon crime? Mais où est ma victime? Cette victime dont la dépouille est nécessaire à tout procès criminel. Vous êtes, monsieur, ou un bien grand gredin, ou un bien grand imbécile. L'on recherche actuellement le corps de monsieur Lapivardière. Et si bien caché soit-il, nous le retrouverons. Et alors? S'il avait jeté à l'eau, il y a beau temps qu'il serait remonté, monsieur de la Pivardière. Déjà qu'on a retourné la moitié du château, on ferait mieux de rentrer à la maison casser une croûte. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai rien à vous dire. La consigne du procureur, c'est de retrouver le cadavre. Mais que faites-vous au milieu de mon étang? Nous recherchons le corps de monsieur de la Pivardière. Oh non, un fantôme! Oh, les revenants, c'est bien connu. Les balles leur passent à travers du corps. Non, venez pas nous tourmenter. Non. Voilà à boire. Arrière! Tout le monde est bizarre ce matin. Le plus bizarre, c'est vous. Un mort qui se promène, ça se voit pas tous les jours. Un mort? Qui, moi? Vous? Vous le savez mieux que personne. Même que la maréchaussée voudrait bien retrouver votre corps. Mort ou vif, comme on dit. Et alors? Je lui ai parlé comme je vous parle, monsieur le procureur. Bien sûr, le gendarme Patugeant lui a tiré dessus sans que les balles lui fassent ni chaud ni froid. Mais quand même, la chose est surprenante. Quand vous avez parlé à ce spectre, combien de chopines aviez-vous déjà avalé? Je ne saurais pas dire, monsieur le procureur. Je compte pas. Je paie chaque mois au moment de la solde. Vous deviez être plein comme une outre. Espèce de sac à vin. Votre revenant n'est qu'un imposteur, payé par des criminels pour nous mystifier. Je me méfiais bien de quelques manigances de cette intrigante. Elle me croit vraiment sot. Bravo, madame. Votre stratagème. Mais il n'était pas trop enfantin. La coutume dans ma maison est de se faire annoncer et de se découvrir devant les dames.
Affubler un fripon d'un uniforme de votre mari, lui faire jouer le rôle de monsieur de la Pivardière sous prétexte d'une vague similitude de silhouette, peuvent abuser des villageois crédules, madame. Pas moi. Je déraisonne. Non, madame. Vous l'avez fait. Et vous n'aurez plus l'occasion de souvoyer personne. Au nom du roi, je vous somme de me suivre. Mes terres sont en dehors de votre juridiction. En matière de meurtre, la compétence du procureur s'étend au royaume tout entier. Toutefois, eu égard à votre rang, je vous ai fait préparer la meilleure cellule, exposée au sud. Vous pourrez y faire apporter vos repas, vos meubles personnels, et y recevoir à votre volonté. Nous y comptons bien. Tout ce que le Berry, l'Orléanais et la Touraine, comte de bonne noblesse, viendra visiter ma cousine. Ce sera follement amusant. Et vous fera comprendre, monsieur, à quel point vous vous êtes mis dans un mauvais cas. Finissez, polisson, je vous ai pas demandé de m'aider. Je reviendrai. C'est que ça, les militaires? Salut, maître du boucher. Avez-vous fait bonne route? Excellente, monsieur le greffier. La santé est bonne, maître du boucher. Toujours, mon cher Blanchot, toujours. Ah, voilà. Allez. Monsieur, mon père, maman est trop triste quand vous n'êtes pas là. Je serai, mademoiselle. Mais pour les grandes personnes, les affaires commandent. Mangez maintenant. Pour le résultat que j'en ai obtenu, j'aurais aussi bien pu m'épargner ce voyage. Vous êtes déçu. De là vient sans doute votre mine soucieuse. En partie, oui. J'escomptais l'argent de la vente de ma propriété en Touraine. Mais devant la rareté du numéraire, les offres des acheteurs étaient ridicules. Enfin, j'en suis pour mes frais de voyage. Comme toutes les femmes, je n'ai jamais rien compris aux affaires qui ne sont pas de notre domaine. Non, l'important pour moi, c'est que vous soyez près de nous. Oh oui. Mon Dieu. Cela console de bien des choses. Tenez. Il vient sans doute saisir quelques malheureux. Les huissiers sont faits pour ça, non? Je sais pas, mais lui, il a pas la manière. Trop sec, trop militaire, soit dit sans offense. À la ville, on préférait son beau-père. Il devait bien saisir, lui aussi. Ben, je crois que ce qu'on aime pas chez Duboucher, c'est son accent parisien. Parce qu'il vient de Paris. Au cours de mes campagnes, j'en ai vu des créatures. Les belles piémontaises, les beautés flamandes, mais à côté des filles d'ici, hein. Ouf! Et vous n'êtes pas parmi les moins belles. Bois de la Fleur, Auxerre, ça doit être la perdition du soldat. C'est bien possible, sergent, il y a des exemples. Vous voyez cette femme-là?
Un vrai petit bijou. C'est Madame du Boucher, la femme de l'huissier. Eh bien, voyez-vous, cette femme, elle a fait perdre un officier aux armées de Sa Majesté. Vous vous moquez? Nullement. Un bel officier de passage dans la ville, c'était rare. Trois jouvencelles sages, tout aussi rares. La plus jolie, Élisabeth, relevait à peine du deuil de son père, Maître Pillard, huissier. Et alors, avec la jeune fille? La mère a bien été obligée de céder. Elle avait plus que lui en tête. À en tomber malade. Et le jour des noces, tous les garçons à marier de la ville et de partout. C'est drôle. On aurait dit qu'il voulait prendre le deuil. Parce qu'il a épousé? Mais je comprends. J'étais là, moi, invité. Oh là là, ma tête. Ça ne peut pas être lui. Qu'est-ce que vous dites? Rien. Que ce vin est bon, mais un brutal. Je voudrais un entretien avec Maître Dubouchet. Je suis le sergent Lafleur. Vous me demandez? Bonjour, mon lieutenant. Quelle joie et quelle surprise de vous retrouver ici. Je vous ai vu en ville. Vous devez vous tromper, confondre. Mais non, mais non! Je ne vous connais pas. Mais si, à la prise d'Heidelberg. Ma compagnie marchait derrière vos dragons. J'ai même aidé à vous dégager quand votre cheval était tué sous vous. Mais vous rêvez, sergent. Vous étiez peut-être à Heidelberg, je n'y étais certainement pas. Je suis très occupé. Suis-je bête? Mais non, c'était au bivouac que je vous ai vu. En Berry, nous contenions dans le parc du château de Narbonne. Vous divaguez, sergent, je ne connais pas le château de Narbonne. Quant au Berry, j'ai jamais mis les pieds dans cette province. Pardonnez-moi. J'ai affaire, je ne vous retiens pas. Louis! Enfin, que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Je n'ai jamais vu mon mari dans cet état. Je suis venu parler au lieutenant de nos campagnes. Bavarder, quoi. Un ancien militaire, ça se fait, non? Depuis son retour de voyage, mon mari semble soucieux. Votre visite n'est pas en rapport avec ses ennuis. Bon, les ennuis, la vie en est faite. Si Maître Dubouchet en a, c'est à lui de vous en parler. Qui se puisse imaginer. Ah, mais vous ne pouvez la recevoir qu'assise, tant elle est forte. Le colonel de Saint-Hermine à Madame de Boislinard de la place forte de Metz le 1er juin. Madame, en réponse à votre lettre, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le lieutenant Louis Dubouchet de la Pivardière, votre cousin, n'appartient plus à mon corps depuis 5 années. Il a, à cette époque, résilié son grade de sa pleine volonté et avec mon accord, et je ne saurais, à mon grand regret, vous communiquer sa nouvelle résidence, n'ayant jamais reçu de ses nouvelles. Veuillez agréer, etc., etc. C'est insensé. Indigne. Outrageant. Monstre. 5 années de mensonges. Mais où pouvait-il être? Mais peu importe. La question devient maintenant, où est-il? Il faut le faire rechercher dans tout le royaume. Le forcer à se montrer. Est-ce lui que ce goujat de Morin traite d'imposteur et m'accuse d'avoir sous-loyé? Ce faquin veut faire le procès de mon mari sous prétexte que celui-ci est encore vivant. J'y suis. Cousine, nous allons nous divertir utilement aux dépens du sieur Morin. Troussez-moi un factum bien senti dans lequel vous allez accommoder ce petit procuraillon de la bonne manière. Je le fais parvenir à Madame Mazuel, qui imprime sur le pont neuf, à l'enseigne de la Levrette, tout ce qui s'écrit de plus piquant dans le genre. Et ce serait bien le diable si on ne parle pas de votre affaire dans tout Paris. À Versailles, même. Il faudrait une bien grande malchance pour qu'il ne tombe pas sous les yeux de Monsieur de la Pivardière. Je voudrais la défense de Madame de la Pivardière contre un buteur. Encore un petit sur la droite. Un
monsieur. Curieuse histoire, mon bon. Je l'ai lu hier. Je frémis des libertés infernales. Les magistrats de province contre les gens de qualité. Le faubourg Saint-Germain la tient pour innocente. Déjà, la canaille est d'avis contraire. Écoutez, Couteau. Monsieur de la Pivardière, vaillant officier du roi, un beau jour revient de guerre pour y trouver sous son toit un affreux trépas. D'où vous vient cette émotion, Louis? Parlez-moi, ne suis-je pas votre épouse? Oh, mon épouse bien-aimée, Elisabeth. Celle à qui j'ai juré de consacrer toute ma vie dès qu'elle est apparue à mes yeux. Mais moi, je suis monsieur de la Pivardière. Seigneur, qu'on accuse cette femme d'avoir. Oh, mais alors? Elisabeth, je dois vous confesser mes fautes. Ils se ressemblent, et ils se ressemblent pas tant que ça. Il y a du pour et du contre. Sottise! Cet huissier ne peut être que notre imposteur. Vous n'allez pas vous aussi verser dans la coterie qui soutient l'abbé Charose et sa complice, et venir me faire des embarras. Mais je vous faisais part d'une impression, monsieur le procureur. À mon grade, on peut se tromper. Sûrement. Mais moi, dans ma charge, je n'ai pas le droit de commettre d'erreur. D'ailleurs, cette affaire est simple. Ou bien l'abbé Charose et la dame Pivardière ont oxy le mari d'Icelle, vont être confondus sur témoignage et punis comme il convient. Ou bien cet immonde imposteur va reparaître, soutenir, pour innocenter les accusés qui l'ont corrompu, qu'il est la Pivardière. Dans ce cas, je lui réserve une petite surprise. De toute façon, la justice sera rendue. Dès le premier instant où je vous ai vu, Elisabeth, je n'ai plus qu'une pensée. M'évader d'une union odieuse, ridicule, insensée. Pour moi, vous avez dérogé. Renoncez à vos biens, à votre titre. Officier noble, vous êtes devenu roturier. Pour moi, Louis, croyez-vous que je méritais un tel sacrifice? Je vous dois les plus belles années de ma vie. Près de vous, j'ai été heureux. Qu'allons-nous devenir? Aussi mal que vous ait traité cette femme, vous ne pourrez la laisser condamner. Elle est innocente. Que faire? Louis, vous devez aller éclaircir cette situation, voir ce juge. Là est votre devoir. J'irai, Elisabeth. Je tiens autant à votre estime qu'à votre amour. Il nous faut presser cette affaire, avant que cette bougresse de Châtelaine ait ameuté tout le royaume contre nous avec ses écrits détestables. Faites comparaître, mademoiselle Mercier. Ce qu'il nous faut maintenant, ma fille, c'est toute la vérité. Devant tant de témoignages précis et concordants. Et si l'abbé ne veut pas parler? En le brusquant un peu, il pourrait devenir plus loquace. Ce n'est pas que l'envie m'en manque, mais lui faire donner la question pour retrouver le corps de la Pivardière ne se conçoit que si nous avons retrouvé ce corps. Mais oui, c'est la quadrature du cercle que Pic de la Mirandole lui-même a vainement cherché à résoudre. À votre santé, mes bons amis. À votre santé. Quand je pense qu'on le prenait pour son fantôme. Fallait bête, hein. Ah, c'est bien lui! Régaler le petit monde, c'est tout à fait de sa façon! Ah, voilà!
votre retour, monsieur le Pivardière. Définitif, je suis. Un si brave homme qui voudrait lui vouloir du mal. Heureux de vous voir, cousin. Nous avons appris votre retour et nous accourons. Quelle singulière histoire. Oui, oublions-la et trinquons avec ces braves gens. J'ai là un excellent vin des coteaux de Chabris. À la vôtre. À votre santé, mon brave. Que Dieu vous ait en sa sainte garde, mes braves gens. Vous, monsieur de la Pivardière. Qui se prétend ici, monsieur de la Pivardière? Je suis le lieutenant Louis Dubouchet de la Pivardière. La comédie n'est pas trop sottement montée. Il y a en effet quelques ressemblances entre cet intrigant et le défunt. Vous n'allez tout de même pas vous entendre. Je rappelle à tous que le faux témoignage ayant pour but d'entraver la marche de la justice est punissable des galères et peut-être en matière d'assassinat de la potence. N'étant pas monsieur de la Pivardière et vous étant introduit dans sa demeure, je vous accuse déjà de violation de propriété. Nous connaissons quand même notre parent. Par alliance, vous êtes cousin germain de madame de la Pivardière et à ce titre, votre témoignage peut être suspecté. Je sais quand même qui je suis. Oui, un imposteur payé par des criminels. Monsieur l'inconnu, je vous attends demain dans mon cabinet à Châtillon-sur-Indre. Apportez quelques preuves de votre identité plus solide que les témoignages de pseudo-parents. J'ai à vous confronter avec quelques personnes. Sergent, ce personnage est sous votre garde et votre sauvegarde. Veillez à ce qu'il soit dans mon bureau demain à 10 heures. Oh. Et la femme du maire qui avait fait la difficile a dû se contenter d'un simple petit tambour de vêtements. Arrêtez, sergent. Complètement. Et maintenant, le lapin soubise, mon lieutenant, comme au bivouac la veille de la bataille. Une cuisse, le rable. Vous avez raison, sergent, c'est la veille de la bataille. Hein. Enfin, demain, il fera jour. Hein. Comment une cuisse ou du rable? Les deux, s'il vous plaît. Allez, au triomphe du juste et à la confusion du procureur. Amen. Relisez à Marguerite Mercier son dernier interrogatoire. Alors, notre maîtresse a pris le sabre des mains de l'abbé et en a donné un grand coup dans le ventre à notre maître. Elle lui a crié « Vous méritez pas la vie ». Donc, monsieur de la Pivardière, ton pauvre maître, était mort. Tout ce qu'il y a de plus mort. Si on te montrait un homme qui ressemble à feu ton maître, ça ne pourrait pas être lui. Sûr que non. C'est bien ce que je pense. Parce que si c'était lui, cela prouverait que tu as menti à la justice. Ce qui serait un grand crime. Un crime sévèrement puni. Il n'y a que notre Seigneur Jésus qui est ressuscité. Il y a aussi Lazare dans l'histoire sainte. Est-elle bête? Il n'y a plus de miracle de nos jours, ma fille. Surtout dans une mauvaise cause comme celle de l'abbé Charose. Amenez le prisonnier. Regarde bien cet homme. Il prétend être monsieur de la Pivardière. Qu'en penses-tu? C'est pas là monsieur de la Pivardière? Enfin, Marguerite... Tu es au château depuis 5 ans et tu ne reconnais pas ton maître? Enfin, regarde-moi mieux. Souviens-toi de ce que tu m'as dit en m'accompagnant à ma chambre le soir où j'ai disparu. Réponds à cet imposteur. Non, c'est point là notre maître. Il était bel homme, lui. Bien corporé. Et puis, il n'était pas coiffé comme vous l'êtes. Et puis, il n'avait pas un petit habit tout rétriqué comme le vôtre. Emmenez la fille Mercier. Marguerite. Eh bien, voilà qui doit vous suffire, monsieur l'huissier d'Auxerre. Monsieur l'imposteur. Il va falloir maintenant nous dire qui et combien on vous a payé pour jouer cette maladroite comédie. Mais cette fille est folle, alliée.
Le chirurgien n'est pas arrivé? Pas encore. Il sera là sous peu. Et va vous examiner selon la règle, pour s'assurer que vous êtes en état de subir la question. À moins que vous préfériez parler sans en venir à cette extrémité. Je suis Louis Duboucher de la Pivardière. Chantez, beau merle. Vous allez tout à l'heure siffler un autre air. Salut, monsieur. Monsieur de la Pivardière, je vois avec joie que vous n'êtes pas mort, comme le bruit en avait couru. Selon vous, cet individu serait monsieur de la Pivardière? Ah, sans conteste. Il est, comme vous, mon patient depuis des années. Vous pouvez vous tromper, être victime d'une ressemblance. Impossible, mon cher procureur. L'œil d'un médecin n'a pas la vision du vulgaire. Il décèle sur chaque patient, au corps et au visage, des particularités qui échappent aux profanes. Mon cher procureur, nous allons gager un bon souper à l'auberge que monsieur de la Pivardière est devant vous. Tenez, je mets en jeu mon serment d'Esculape. Quelle preuve prétendez-vous apporter? Êtes-vous d'accord pour le souper? Eh bien, j'ai eu l'honneur, il y a 5 ans, de soigner et de guérir monsieur de la Pivardière, victime d'un accident de chasse. Oui, un sanglier lui avait labouré la cuisse gauche. La cicatrice profonde part du genou pour aboutir à l'aine. Monsieur de la Pivardière, auriez-vous l'obligeance d'ôter votre culotte et votre caleçon? Que je... Oui, oh, mais nous sommes entre hommes. Vous me devez un souper. Monsieur de la Pivardière et le lieutenant Bonnet pourraient être des nôtres? Nous souperons sans monsieur de la Pivardière. Il demeure à ma disposition pour un autre méfait. Ouvrez une nouvelle procédure. Procès de monsieur de la Pivardière, coupable de bigamie. Vite, maman, déjà mon papa n'est plus là. Avant une semaine, je serai de retour, ma chérie. Paris n'est pas au bout du monde, tu sais. Sois très obéissante ou j'aurai beaucoup de peine. Ma mère est là pour vous conseiller en cas d'embarras. Je mettrai un cierge à Sainte-Cécile pour la réussite de votre démarche, madame. Et un second pour la sauvegarde de monsieur. Ce mauvais sujet ne mérite pas la peine que tu vas te donner. Ne t'égare pas dans Paris et rends-toi chez ta marraine directement. Outre le crime de bigamie, établi de façon surabondante, nous avons encore à vous reprocher d'avoir, par votre disparition, égaré la justice sur des voies qui amenèrent l'ouverture de poursuites contre des innocents. Qu'avez-vous à invoquer pour votre défense sur ce point? La vérité. J'avais eu, au cours du dîner avec ma femme, une dispute assez âpre sur des questions d'intérêt. Imaginant que la nuit apaiserait nos humeurs réciproques, je montai me coucher. Madame de la Pivardière m'avait assigné une chambre assez sordide. Je songeais combien ma présence était peu souhaitée sous mon propre toit, quand soudain, je crus alors qu'il s'agissait de ma femme venant repentante faire la paix. Oh, fuyez, notre maître, fuyez vite, ils veulent vous tuer. Mais tu divagues, qui veut me tuer? L'abbé, madame, je les ai entendus pendant le souper. Je lui disais qu'il chargerait de tout. Je l'ai vu dans la maison, il rôde encore, il n'est pas parti. Fuyez notre maître, fuyez avant le malheur. J'étais sans armes, sans défense. Je pris peur, moi qui n'avais jamais tremblé sur les champs de bataille. Monsieur le prieur, vous êtes mon invité. Vous n'aurez pas un liard de cet argent. Je ne vous laisserai pas me dépouiller! Le conseil de ma servante me parut sage, salutaire. C'était l'occasion de m'évader d'un monde devenu par trop hostile. Arrière! Mais que faire sans argent? Je tentais de toucher les quelques écus qu'on me devait. Non, notre maître, venez point nous tourmenter! Non, non, non! Je ne viens point vous tourmenter! Je viens vous demander mon argent. Au large! Au large! On donne pas de l'argent, on mange! Les vivants en ont trop besoin! Au large! On priera pour votre pauvre âme, c'est tout ce qu'on peut faire. Vous êtes monsieur de la Pivardière, le cocu le plus extravagant de tout le Barbérie. Comment? Votre femme bafoue votre nom, mange votre bien,
en compagnie de ce francard de malheur. Et vous laissez faire. Mieux. Au moment où les deux coupables sont tout prêts de se balancer au bout d'une corde, vous venez me les retirer des mains. Vous allez me le payer. C'est vous qui allez gigoter leur place. Ou bien il n'y aurait plus de justice. Le cocu. À la galette. Oxy. À la galette. Ressuscité. Et finalement, Bigam, ou la très véridique histoire de Monsieur de la Pivardière. Monsieur de la Pivardière, vaillant aux lois, un beau jour revient de guerre pour y trouver sous son toit un affreux trépas, un affreux trépas. Croyez-vous, ma reine, que... Madame de Maintenon aura eu la charité de penser à mon affaire. Mais puisqu'elle nous a hier promis de le faire, soyez assurée que Françoise en a entretenu le roi. Oh, pourvu que Sa Majesté ait bien accueilli ma démarche. Ne vous troublez pas et répondez simplement. Voici la charmante Madame du Bouchet, dont on vous contait hier le triste sort. La marquise m'a beaucoup émue au récit de vos infortunes. Sa Majesté est trop bonne. Comment trouvez-vous mes jardins? Féerique, sire. Je crois vivre un rêve. Il est vraiment dommage qu'une fille faite comme vous l'êtes ne soit pas plus heureuse. J'ai signé tout à l'heure un sauf-conduit pour Monsieur Dubouchet de la Pivardière. Vous pouvez le prendre dès à présent à ma chancellerie, où les ordres sont donnés pour qu'il soit renouvelé chaque 3 mois. Oh, merci, sire. Merci. Vous aurez vu à mon contact comment on mène une affaire de façon exemplaire. L'abbé va se voir infliger une retraite de quelques années dans un couvent. Peut-être sera-t-il interdit de messe. La châtelaine, devant le scandale, devra sûrement quitter la province. Mais vous allez devoir les déclarer innocents. Quelle importance. Aux yeux de l'opinion populaire, le fait seul d'avoir été soupçonné les rend coupables. Telle est la puissance de la justice. Quant à la Pivardière, Sonigo, il va être vivement expédié. Une dame du boucher de Serre demande à être reçue par monsieur le procureur. Admirable. La complice vient elle-même se livrer. Faites préparer un cachot. Ou plutôt non. Nous allons gaiement l'entendre d'abord. Allez la chercher. Du vin, ma fille. Et du meilleur. Celui du petit tonneau. Ah, quelle belle journée. Allons, pressons. Est-ce ainsi qu'on se présente devant la justice? Madame Dubouchet est porteur d'une pièce de la chancellerie que je dois vous lire. De par le roi. Sa Majesté, ayant égard à la situation malencontreuse de Louis Dubouchet de la Pivardière, a accordé et accorde au sieur Dubouchet sauf-conduit pour 3 mois, pendant lesquels elle le prend et met sous sa protection et sauvegarde spéciale. Par ses présentes, Sa Majesté ordonne à tous les gouverneurs et lieutenants généraux de ses provinces, intendants d'Issel, maires, échevins et magistrats de ses villes, et tout autre officier, de laisser passer, aller et séjourner, sûrement et librement, sans permettre ni souffrir que M. Dubouchet de la Pivardière soit inquiété en aucune manière. À peine, contre les contrevenants, de 1000 livres d'amende et d'interdiction de leur charge. Car tel est notre bon plaisir, Louis. J'étais arrivé à cheval, je me suis enfui à pied, je m'en vais en carrosse. Quel mystère que la destinée. Vous avez donné que la moitié de mon nom, Élisabeth. Et vous avez eu tout mon amour. Pourquoi parler du passé, vous? N'êtes-vous pas sauvée? N'avons-nous pas de longues années de bonheur devant nous? Oh, vous m'avez rendue si heureuse. Je ne crois pas qu'il y ait péché à continuer de nous aimer, même hors des lois du mariage. Et pour moi, j'en prends le risque. En acceptant votre sacrifice, Élisabeth, je vous condamnerai à une existence bien malheureuse.
bien misérable. Le monde est cruel. Il n'admet pas qu'on brave sa mort. Songez à la cabale des dévots, aux avanies des débauchés. Les bourgeois me reprocheraient ma noblesse, les nobles d'avoir dérogé. Les petites gens m'en voudraient d'exister. Non. Non. Ce serait la mise au banc de toute la province. Et la solitude pour notre enfant. C'est à elle que nous devons penser, Élisabeth. Décidez de ce que vous voulez faire, Louis. Mais pensez aussi un peu à moi. Je vais donner ordre au notaire de vendre ma charge d'huissier. Il vous en versera le prix. J'irai ensuite remercier votre marraine, Alice de Châteaurenard, et lui rendre ce carrosse qu'elle a bien voulu mettre à notre service pour hâter ma délivrance. Vous regagnez votre château. Non, Élisabeth. S'il m'en estime encore digne, je vais pour en finir aller mettre mon épée au service du roi. Ainsi fut fait. Ainsi périt Louis du Bouchet de la Pivardière, un brave gentilhomme. Madame de la Pivardière en conçut pour le défunt une estime qu'elle lui avait refusée de son vivant. Solidement pensionnée, on la vit beaucoup à Paris où elle devint une saison une veuve très à la mode. Le roi jugea que le boulet qui avait décapité l'infortuné la Pivardière avait du même coup oxy Louis du Boucher et qu'il était juste que la veuve de ce dernier fût également pensionnée. Madame de Maintenon décida que la fille du lieutenant du Boucher, étant de sang noble, serait élevée parmi les demoiselles de Saint-Cyr. La favorite, férue de religion, tenait à ce que cette histoire eût une fin morale. Une fin morale suppose la récompense des bons et la punition des méchants. Ainsi fut-il fait. Pour avoir tenté d'égarer la justice par des déclarations mensongères et faux témoignages, la cour condamne Marguerite Mercier à être fouettée publiquement et, tenant en main une torche ardente de 2 livres, faire amende honorable de repentir, demander pardon à Dieu, au roi et à la justice.